Nous sommes donc ici à Frévent, disons sur les bords de l'Artois. Hein, c'est la salle du casino, si je ne m'abuse, en compagnie de madame la présidente du local club. Local club Maison des Loisirs, madame Clairet. Voilà, qui est aussi parmi les organisatrices et présidente depuis déjà, allez, on ne le dit pas, depuis un certain temps. Hein. Et nous sommes aussi en présence, disons, d'organisatrices telles que Ophélie, hein, qui s'occupe des. De la chorégraphie, on va dire, entre parenthèses. Alors, Ophélie, ça rend bien avec les enfants ? Oui, ça rend bien, puis ils aiment bien participer, c'est leur premier spectacle. Donc, c'est une première approche, déjà, au niveau de la scène. Ah, d'accord. C'est pas trop dur à gérer ? Ça va, ça va. Et tout, c'est d'aimer. Donc, c'est une action, bien sûr, au profit du Téléthon. Et si je ne m'abuse, il y a quand même déjà quelques années que vous travaillez pour le Téléthon. Oh, ça fait 15 ou 16 ans que nous faisons chaque année des spectacles justement pour le Téléthon. D'accord. Alors, il y a toutes les tranches d'âge. On voit les petites jeunes là derrière. Hein, les moins jeunes encore là derrière. Ça commence à 4 ans. Ça commence à 4 ans avec l'éveil à la danse pour les petites demoiselles. On attend les garçons également, mais on manque toujours de garçons. Et puis les âges, il n'y a pas d'âge pour terminer. Les hommes seraient-ils timides ? Les hommes sont toujours timides, nous attendons des hommes. Mais on en a quand même. Ah, donc on voit quand même que c'est intergénérationnel. Tout à fait. Eh bien, on va assister. Marie, qui est également animatrice. On a aussi Émilie, qui elle manage les majorettes. Ah. Avec beaucoup d'adresse et de joliesse, voilà. Et puis après, y a d'autres animateurs qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'on avait commencé par le club choral. Donc on a un chef de chœur anglais, Francis White également, qui manage le club choral. Eh bien, c'est très bien. On va assister donc au spectacle, à la deuxième partie. Voilà, puis on vous dit un grand merci et un grand bravo. Et vive le Téléthon. Absolument. Bonne soirée.